C'est drôle. Il me regarde, il veut faire marcher ma mémoire. Si, je me rappelle plus ou moins, tu vois, mais... Mais Black Door, déjà, il faut dire que c'était un studio mythique, déjà. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnalités du rap français qui enregistraient là-bas. On était en train de voir quel beatmaker on voulait, avec qui on voulait bosser sur cet album. Donc, il y avait plein de noms qui avaient été évoqués. Nous, on aimait bien, je me souviens, on aimait bien le boulot de Masta et Teufa. Ouais, parce qu'ils avaient fait l'album de Balles de Nègre et on kiffait les prods. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, eux, je sais qu'ils nous avaient grave interpellés. Bon, bah forcément, il y avait Desch, avec qui on bossait. Et qui connaissait bien Masta et Teufa. Et qui connaissait bien Masta et Teufa. Qui nous a présenté. Après, on a eu qui? On a eu... Jimmy Finger. On a eu Jimmy Finger, on kiffait, effectivement. Et après, on a eu des belles surprises également. Ça veut dire qu'on a eu Eben, qui est venu faire des prods. On a eu Jimmy Sissoko aussi qui nous a proposé une prod, d'ailleurs la prod de Prêt pour Cible. Et il y a eu DJ Train aussi. DJ Train. Et j'ai une petite anecdote. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait les gars de Taïboum qui étaient venus, Sek et Mars, qui étaient passés à Black Door avec plein de DAT. Ils nous avaient fait écouter des prods pendant 2 heures. Ça ne correspondait pas à ce qu'on cherchait. Mais je me souviens, moi, comme je kiffais leur taf, j'étais un peu déçu qu'on leur prenne pas de prod. Mais c'était un autre univers, un peu plus dark, du coup, voilà, ça s'est pas fait. Sniper Processus qui ouvre le bal sur le disque du Rire aux Larmes. Donc il y a une première version produite par Masta, dont on était très content, mais il s'avère qu'il y a un autre groupe de rap français qui avait à peu près la même prod avec le même sample qui tournait pareil. Du coup on a dû faire une deuxième version, toujours par Masta, d'ailleurs qui reprenait le sample de Labyrinthe de Balles de Nègre. La rue est comme un labyrinthe négro, où les petits poissons se font manger par les gros. C'est le même sample ? Le même sample, mais pas du tout travaillé pareil, pas à la même vitesse, donc voilà, qui est devenue la version finale qu'on retrouve sur le disque. Processus. Un concept différent, flot de conquérant, je te mets afférents, laissant de côté les gens indifférents. Sniper processus, un trou uni comme les doigts de la main, faire jumper la foule, voilà ce qui représente nos rêves de gamin. Sniper processus, tire une taf à la santé des nôtres. Ouais, vu le temps qu'on taf, fallait que ça pète un jour ou l'autre. Sniper processus, parce que cette vie devient trop oppressante. Ouais, maintenant tu sais pour qui je représente. C'est quand